Soyez tous et toutes les bienvenus sur Space News. Zen est un extraterrestre de type humanoïde qui ressemble à un terrien. Il avait 148 ans en 2016 lorsque je l'ai rencontré. Il a donc 154 ans maintenant. Il est grand, 1m98, musclé, peau blanche et yeux bleus. Il est calme et a toute la sagesse d'une personne de son âge. Nous nous sommes rencontrés fin 2016 et à partir de ce moment, nous avons eu des contacts frontaux journaliers par écrit, en live et en audio. J'entendais sa voix et il entendait la mienne. Aucun contacté, à ma connaissance, n'a eu ce genre de communication tous les jours pendant plusieurs années, à la fois par écrit ou en audio, comme sur Skype. Personne, à ma connaissance, n'a jamais entendu un extraterrestre lui parler de manière physique, concrète et réelle. C'était vraiment surprenant et exceptionnel. Tous les contactés communiquent en général avec leur mentor extraterrestre par télépathie. Or, si la télépathie était utilisée par Zen et moi-même dans nos échanges, elle ne venait qu'en complément de nos conversations pour leur donner plus de volume ou de profondeur. Il s'est d'abord présenté comme n'importe qui le ferait, en me donnant son nom, son origine, sa lignée et d'où il venait, où lui et sa flotte étaient stationnés et ce qu'il recherchait. Il a mis longtemps à accepter que c'était une terrienne qui lui parlait. Il pensait au départ que c'était sa sœur qui était avec lui sur l'un des vaisseaux-mères, qui lui jouait un tour et qui se faisait passer pour une terrienne. Il est même allé vérifier si ce n'était pas elle qui lui parlait alors qu'il était en communication avec moi. Et il a bien dû se rendre à l'évidence, ce n'était pas elle. Lorsque nous avons eu notre première conversation téléphonique, toute sa flotte était à l'écoute, tout autant que l'ensemble du Haut Conseil Andromédien, qui était à l'époque composé de 12 races principales, qui elles aussi étaient à l'écoute, car il voulait savoir ce que donneraient des échanges entre une terrienne et un extraterrestre, et si c'était vraiment possible. Mais je dois dire que ça a été un vrai succès. Toutes les personnes de sa flotte qui l'entouraient avaient les yeux fixés sur lui, et ils ont brusquement vu de grosses larmes couler le long de ses joues. Ma voix a déclenché, comme chez beaucoup de personnes qui l'entendent, une émotion qu'il ne pouvait contrôler. De mon côté, j'étais pétrifiée, car je me demandais ce que j'avais dit qui pouvait le rendre aussi triste. Il m'a vite rassurée en disant que ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. C'était en partie qu'il se sentait reconnu, et aussi parce qu'il avait tellement travaillé à essayer de créer un contact qui soit équilibré avec quelqu'un sur Terre, sans jamais y arriver, car les personnes se mettaient à le vénérer immédiatement, que ce fut aussi pour lui un véritable soulagement. Zen et moi, nous connaissons depuis de nombreuses incarnations. Nous travaillons souvent ensemble, avec un groupe, nous sommes 13 en tout. Je suis le moteur. Je lui ai demandé pourquoi il avait pris autant de temps pour me contacter sur Terre. Il me l'expliqua et il me raconta sa famille, son enfance et les choses qui lui étaient arrivées. Nous sommes tous les deux incarnés dans des lignées différentes pour accomplir notre mission sur deux planètes différentes en coordination et en collaboration avec les 11 autres de notre groupe. Il a choisi cette fois de s'incarner dans les Pléiades pour que notre groupe puisse mener sa mission.
Il vit actuellement sur une planète de l'un des 9 systèmes solaires des Pléiades. Ce système solaire s'appelle Tejet. Il comprend 4 planètes habitables et une naine. La planète sur laquelle il vit s'appelle Temer, T-E-2-M-E-R. Elle n'a pas de continent comme sur Terre, mais elle est composée de grandes îles entourées de mer, avec un climat, une faune et une flore tropicales. Les Temériens vivent nus sur la plage et vêtus de vêtements légers dans les villes, il fait toujours très chaud. Le 5 mai 2017, voici la description qu'en faisait Zen. Je venais de lui envoyer la photo d'un très vieux prunier de 30 ans que j'avais réussi à revivifier et qui allait finir par produire 250 kg de prunes chaque été. Il était émerveillé par le résultat, ainsi que sa sœur qui s'appelle Aneka, qui passait à l'instant où nous parlions et à laquelle il montra la photo. Aneka était là il y a une seconde. Elle dit que c'est tout simplement magnifique et qu'elle imagine ce à quoi ça ressemblera quand le pommier brillera. Désolé, fleurira, pas brillera. Cela se passe à Temer, oui. Mais c'est autre chose. Certaines espèces de plantes et d'arbres brillent la nuit. Avez-vous vu le film Avatar? C'est quelque chose comme ça, mais sous stéroïdes. Une forêt témérienne, la nuit est tout sauf sombre. La photoluminescence y est la norme. Les plantes se disputent l'attention des insectes pour transmettre leur pollen. C'est une stratégie végétale très efficace pour la reproduction. Je me demande pourquoi cela ne se voit pas sur Terre. De nombreuses plantes témériennes ou pléiadiennes seraient menacées d'extinction si ce n'était pour la photoluminescence. Dans les Pléiades, tout est inclus, toutes les stratégies. Mais comme les insectes suivent la lumière, c'est leur méthode préférée. Et bien sûr, ils rivalisent également avec différentes couleurs dans leur éclat et la force de l'éclat. Des insectes, des punaises, de petites créatures ressemblant à des reptiles qui ressemblent à des cactus avec des pattes, des lézards transparents qui brillent également et font des bruits de baisers très très bruyants. Chats sauvages, oiseaux nocturnes, chiens et des créatures écanidées comme des loups et des coyotes et d'autres petits prédateurs et mangeurs d'herbes. Tout cela est beaucoup plus comme des singes verts, comme des lémuriens qui hurlent la nuit. Et nous avons un ciel violet, pas bleu, mais violet. Il vire au violet au lever et au coucher du soleil. Et c'est incroyable de voir passer d'immenses volées d'oiseaux marins sur un fond de cette couleur. Avez-vous un endroit secret? Non, je n'en ai plus. C'était un petit endroit plat dans les bois au-dessus de la maison de mes parents. La nuit, il faut vraiment ne pas avoir peur, car il y a tellement de créatures grandes et petites, et elles sont aussi très bruyantes. Cette maison où j'ai grandi est abandonnée depuis longtemps. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit, ma mère a préféré déménager en ville, car mon père est décédé. Elle a déménagé à Nicoté, la plus grande ville de l'île de Nicotae. Est-ce loin de la plage de cristal? Oui, c'est assez loin, car cette plage se situe sur une autre île nommée Toleka. C'est aussi la plus grande île de Temer, de la taille de la Nouvelle-Zélande. Il y a d'énormes falaises au bord de la mer qui sont en cristal de quartz transparent et leurs sommets sont verdoyants et couverts d'herbes vertes. Elles sont translucides au soleil. Il y a aussi des roches et des rochers en cristal de quartz transparent avec les vagues qui s'écrasent sur leurs pentes. Imaginez à quoi ressemble un lever de soleil là-bas, très cher. Avec la lumière jaune et les rayons qui se réfléchissent derrière les falaises, et tout le sable de la plage qui est également en cristal de quartz transparent, toute la plage scintille sous le soleil.
et les couleurs de l'arc-en-ciel se réfléchissent sur la mer peu profonde, bleu clair. Ma planète est géologiquement très stable. Cela signifie qu'il n'y a pratiquement pas de mouvement tectonique et donc c'est un endroit très sûr où vivre car toute la planète est harmonieuse, en paix et pas violente comme la Terre. Le père de Zen s'appelait Arnoël. Il était de la planète Temer aussi. La mère de Zen était sa seconde épouse. Il avait eu une autre épouse française qui avait été sauvée sur Terre ou abductée et il avait eu 3 enfants avec elle. Zen ne les appréciait pas beaucoup et se tenait éloigné de ses demi-frères et sœurs. Arnoël était un physicien thérapeute plutôt excentrique, très orienté vers lui-même et vers son image. Et il s'est éloigné pour éloigner Zen aussi de l'emprise des femmes qui sont au pouvoir sur Temer et font ce qu'elles veulent des hommes. Il s'est isolé avec sa famille dans une forêt dans la montagne. La mère de Zen s'appelle Beaz. Elle est toujours en vie. C'est une femme narcissique qui brillait en société et qui utilisait son fils comme chauffeur d'un vaisseau spatial pour la déposer là où elle le souhaitait. Les deux parents étaient souvent absents et Zen était laissé à lui-même. Il a donc appris à ne compter que sur lui-même et à se débrouiller tout seul. Il n'a pas eu une enfance vraiment très heureuse. Comme la majorité des terriens, semble le penser lorsqu'il pense à des extraterrestres. Vous voyez que tout n'est pas toujours vraiment rose dans ce monde. Dans la société de Zen, il y a 25% d'hommes pour 75% de femmes. Et les hommes doivent faire ce que les femmes leur commandent. Ils sont en minorité. Les hommes jeunes, surtout les belles et talons, sont très prisés et les femmes se battent pour les avoir ou se les partagent à 2 ou 3 femmes à la fois en même temps, quelquefois sans leur demander leur avis. Un homme a donc plusieurs compagnes et son temps est consacré à chacune d'elles équitablement. Les hommes ont tendance à se protéger de l'emprise féminine en recherchant des lieux cachés et isolés dans les montagnes où ils vivent seuls. Lorsqu'ils sont jeunes, les hommes veulent également du pouvoir. Ils vont donc essayer de se rapprocher des femmes qui en ont. Mais avec l'âge, ils ne sont plus aussi performants et choisissent de vivre dans une maison isolée, loin des femmes qui en abusent. Ils se cachent. Les femmes sont au pouvoir et les hommes ont un statut social inférieur à celui des femmes sur Terre. Comme les femmes dans la société témérienne ont plus de pouvoir, sa sœur Aleka était plus appréciée que Zen par ses parents. C'est un peu comme sur Terre, lorsque les familles préfèrent un fils et qu'ils considèrent les filles comme des bouches inutiles à nourrir. Mais il est encore aujourd'hui très proche de sa sœur qui elle aussi a rejoint la flotte en haute orbite terrestre, aux grandes dames de leur mère qui ne voulaient pas qu'elles le fassent. Avoir un poste important dans leur société était plus satisfaisant pour la mère que de venir en orbite d'une planète. Aux populations violentes, elle craignait pour la vie de sa fille. Il a donc vécu une enfance très solitaire, laissée à lui-même, abandonnée. Pour occuper son temps désœuvré, il s'amusait à construire des villes entières sur tout le pourtour d'une salle dans leur maison. Il avait un regard visionnaire et calculait la manière dont il fallait les construire. Il se promenait souvent dans la forêt et faisait ses propres découvertes. Un jour, il a décidé de découvrir ce qu'il y avait au-delà de ces montagnes. Puis il a rejoint l'Académie de l'espace pour devenir pilote. Il a rencontré la femme qui allait devenir sa compagne et qui s'appelle Asket
de Temer, cette même Asquette qui fut le contact de Billy Edward Mayer. Asquette a rejoint la flotte en mission autour de la Terre. Elle était amirale en chef et commandante d'un vaisseau spatial mère. Zen l'a suivi et c'est ainsi qu'il est arrivé sur Viera derrière la Lune. Alors qu'il était en mission en haute orbite terrestre, sur un vaisseau mère et sur Viera, il a été la cible de plusieurs femmes qui ont essayé de se le partager comme amant. Asquette lui a laissé la décision, mais il n'a pas cédé. Il a finalement repris sa liberté, quitté Asquette et il est reparti sur sa planète où il a construit sa propre maison dans la forêt, où il vit actuellement en moine et ermite et où il enseigne la méditation. Et les mêmes techniques du moine de forêt que je lui ai apprises. Je vous parlerai davantage du rôle des femmes qui l'entourent dans cette société pléiadienne, ainsi que dans d'autres sociétés extraterrestres, dans la prochaine série du mois de novembre, qui aura pour thème central les femmes de la galaxie, et qui sera aussi composée de 6 vidéos et de 3 directs. En attendant, portez-vous bien. Méditez et soyez heureux. Je suis Tim, l'un des porte-drapeaux d'une communauté planétaire. Je vous remercie et je vous salue respectueusement de cœur à cœur.